J'ai écrit cette chanson pour nos héros. À nos héros, docteurs, infirmières, aides-soignants, agents de service, ambulanciers, et puis nos pompiers, sans oublier armées, policiers. Oui, chaque jour, sauve des vies, avec fatigue, peur et angoisse, sans oublier les heures cumulées. Un grand merci à vous, nos héros, caissiers, routiers, facteurs et boueurs, sans oublier nos boulangers qui prennent des risques pour leur santé. Un grand merci à eux aussi. Appelle tes proches et prends des nouvelles, et pour leur dire combien tu les aimes. Et patiente pour mieux se retrouver, et de ne plus jamais se quitter. Reste chez toi, le virus est là. Protège-toi et prends soin de toi. Moi je ne suis qu'un petit garçon, bien confiné à la maison, en appliquant les indications, sans oublier les recommandations. Respecte bien les gestes barrières, lave tes mains plusieurs fois par jour, tout dans ton coude ou dans un mouchoir. Applique bien ça et ça ira. Pense aux personnes qui n'ont pas la chance et qui se battent chaque jour. Pense bien aussi aux personnes parties. Un grand merci aux personnes humaines. Reste chez toi, le virus est là. Protège-toi et prends soin de toi. À nos héros, docteurs, infirmières, aides-soignants, agents de service, ambulanciers, et puis nos pompiers, sans oublier armées, policiers. Oui, chaque jour, sauve des vies, avec fatigue, peur et angoisse, sans oublier les heures cumulées. Un grand merci à vous, nous héros. Encouragez tous les projets, encouragez tous nos alliés, qui veillent à notre santé, comme des combattants à l'armée. Chaque journée confinée, n'hésitez pas à vous appeler, faire des visios et chanter comme si vous étiez au karaoké. Vos visages sont gravés dans nos têtes en images. Les souvenirs sont toujours à la fête. Je veux chanter pour ceux qui nous aident de leur mieux et qui ont dans leurs yeux de l'espoir pour plus jamais d'adieu. Je veux chanter pour ceux qui doivent rester chez eux et qui gardent au fond d'eux leur envie de changer lieu de thank you.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes, j'ai plus droit. Je suis mendiant, mais les gens ne sont plus là. Je me souviens du bon temps où même à Barbès, je recevais dans ma main 2-3 pièces. Et pour faire bouffer tous mes amis clodo, je me faisais toutes les rames du métro. Je recevais des sourires, des bonjours, des murmures, toujours là pour guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais au chaud à l'hôtel du bon Dieu, où j'allais chez le marchand pour des pâtes, sauce tomate, une bouteille de vin blanc. Pour un pauvre mendiant. À marcher sous la pluie 5 minutes, ça j'ai le droit, dans Paris qui se vide devant moi. Te raconter les lieux qui étaient autrefois des trésors de touristes à chaque fois. Et sauter dans des parcs pour pouvoir se cacher sous un arbre, pourquoi pas s'abriter. Et chercher pour la nuit un endroit pas trop cher, une cave, un couloir, quelle misère. Te raconter un peu comment j'étais au chaud à l'hôtel du bon Dieu, où j'allais chez le marchand pour des pâtes, sauce tomate, une bouteille de vin blanc. Pour un pauvre mendiant. À m'asseoir sur un banc 5 minutes, on verra, regarder le tramway qui s'en va. Te parler du bon temps où il y en avait partout, des gentils, des cléments, des grippesous. Que si moi je contamine, personne va s'en soucier, on protège que les riches confinés. Et me voilà maudit par ce vilain virus qui m'écarte de la vie une fois de plus. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les pauvres mendiants. Il peut tout juste ouvrir sa porte, il peut à peine rentrer chez lui, parce qu'il y a des trucs de toutes sortes, des cubis, des pâtés, du riz. En plein milieu de son couloir, de l'essence dans deux jerricanes, des packs de bière et du ricard, et puis des bouteilles de butane. Il est le roi sur cette terre, tout lui est dû, faut profiter. Les autres, il n'en a rien à faire, sa gueule, c'est sa priorité. Si ça lui paraît nécessaire, il peut voler, prendre un fusil. Il protège ses petites affaires, c'est un pourri, le confini. Il a relu Les Misérables, ça aide à relativiser. Il se sent un petit peu coupable, sa mère est seule dans sa cité. Il aime le télétravail, ça lui laisse du temps pour ranger. Il devait partir à Hendaye, mais c'est chez lui qu'il doit rester. Ce qu'il aime bien sur cette terre, c'est la nature, se balader. Il fait un peu d'humanitaire, il bosse avec les enfoirés. Et maintenant, ce qu'il espère, un peu d'amour et d'amitié. Ne pas rester célibataire, c'est un mec bien, le confiné. Elle a stocké du Doliprane, des serviettes et puis des tampons, du PQ, de la Macédoine, conserve et café à foison. Elle a plein de masques et de gel pour revendre sur le bon coin, un peu d'argent pour faire la belle, il faut bien aider son prochain. Elle se fout bien de la misère et des pauvres gens d'à côté. Elle prendra tout sur cette terre, elle s'en fout de ne rien laisser. Pourvu qu'on la laisse pépère, profiter de sa petite vie. Elle vendrait même père et mère, c'est une pourrie, la conne finie. Elle reprendra un peu plus tard son combat pour la parité. Elle aide son homme pour ses devoirs, elle veut qu'il soit bien éduqué. Elle pense aux gens des hôpitaux, à ceux qui bossent pour nous aider, se dit qu'ils font du bon boulot, elle applaudit en fin de journée. Elle n'est pas seule sur cette terre, elle pense aux filles et aux garçons, pour s'endormir plus légère, une petite masturbation. Et quand le temps sera plus clair, elle sera là pour le fêter, elle dansera, prendra des verres, c'est une fille bien, la confinée. C'est peut-être un mal nécessaire, la planète peut respirer. C'est une chance pour tout refaire, une belle opportunité. Ça serait bien que les politiques en retirent quelques leçons. Repenser tout l'économique, gouverner d'une autre façon.
Et si Macron, tu ne l'aimes guère avant de faire la révolution, gagnons d'abord cette guerre contre ce virus à la con. Pour aider nos amis, nos frères, il faut de la solidarité, car nous sommes tous complémentaires et vive la diversité. Et vive la diversité. Et vive la diversité. Je voudrais passer un petit message aussi à tous ceux qui nous soignent, à tous ceux qui sont en première ligne pour nous. Les pompiers, les médecins, tout ce monde de l'hôpital et tous ces gens aussi qui continuent à livrer, qui continuent à rouler pour qu'on puisse avoir quand même une vie qui ressemble à une vie. Oui, on est en train de combattre quelque chose qui n'est pas une arme nucléaire. On a pourtant cherché comment envoyer des bombes. On a trouvé. On a bien réussi ça. Mais par contre, pour lutter contre les virus, c'est une autre histoire. Celui-là, il est parfait. Il rentre tout doucement dans votre corps et puis il vous détruit. Alors, évidemment, beaucoup s'en sortent. Mais demain, c'est peut-être nous, c'est peut-être notre famille, c'est peut-être notre meilleur ami, c'est peut-être une connaissance. Mais il faut absolument rester en contact avec tous nos proches. Car la solitude ne doit pas rester, ne doit pas s'installer. La solitude, il faut absolument la combattre en restant connecté avec toutes les personnes que l'on connaît. J'ai de la coquillette pour te retourner la tête. Des sachets de pâte complète, écrasés ou en boulettes. J'ai ta gliatelle pour t'emmener au 7ème ciel. Spaghetti, macaroni, y'a tout ce qu'il faut mon ami. Je fais pas la livraison, faut que tu passes à la maison. Pense à l'autorisation pour pas finir en zonzon. Viens si t'es pas une mauviette, je fais ça pas cher t'inquiète. J'ai juste une petite requête, paye-moi en papier toilette. M'engager tellement de PQ que je peux boucher le trou de la sécu en attendant.